Nobody does it better. Makes me feel sad for the rest. Bonsoir à toutes et à tous. Comme vous pouvez le constater, ce genre d'émission n'est jamais pour annoncer une bonne nouvelle. Nous avons appris le décès il y a 15 jours de Tania Roberts. S'en suivit le décès du réalisateur Michael Apted du Monde ne suffit pas. Nous avons appris hier, avec grande tristesse, le décès de notre cascadeur favori, Rémi Julienne. Rémi Julienne, c'est 1400 productions, dont 400 films cinéma et 6 James Bond. Rémi Julienne, c'était évidemment, comme je viens de le dire, James Bond, mais c'était également Belmondo. Ou le gendarme de Saint-Tropez, avec Louis de Funès, une mise en scène inimitable et reconnaissable entre toutes. Bref, une carrière extrêmement riche, et nous vous avons préparé une petite vidéo d'une minute montrant ses plus belles cascades. Regardez! Il y a quelques années, lors de l'événement du club James Bond France au château d'Annette, Rémi Julienne était invité et le club James Bond France l'avait interviewé. Nous vous proposons un extrait, vous allez voir ce qu'il disait de la saga James Bond. Eh bien, I am Bond. Ah non, non, non. I am Rémi, Rémi Julienne. Ou alors, mon nom est Bond, Jean Bond. Non, mais ceci dit, je suis quand même très très fier de l'aventure Bond, parce que c'était une aventure. Moi, je cherchais comment m'introduire dans cette prestigieuse compagnie, là, qui avait un succès international, mondial, un succès formidable, fantastique. Et alors, j'étais en train de me creuser la tête pour ça, et ce sont eux qui m'ont appelé. Et alors là, je suis tombé un petit peu sur les fesses, ça m'a surpris, et puis je me suis dit, ah ben tiens, peut-être qu'il me trouve certaines qualités qui existent en réalité, et si c'était vrai. Alors, et puis c'était le fruit quand même d'une collaboration avec 6 films, et il y a peu de Français qui sont restés dans les productions de Bond pendant 6 films. Donc pour moi, c'était cocorico. Pour les fans, alors, ben, j'espère continuer à les intéresser de la manière à cette démonstration que j'ai encore pu vivre maintenant avec ces 2 jours à Annette. Non, ben, j'espère bien que ça va continuer et que j'arriverai aussi à trouver des choses. Je suis complètement motivé pour ça et à partir du moment où je vois le succès que ça peut provoquer, ça, eh bien, qu'est-ce qui me reste à faire? Eh bien, c'est d'essayer de continuer et que ça dure encore pendant un moment, plus longtemps possible. Voilà. Rémi Julienne était un ami du club James Bond France. On a pu le voir notamment encore cet été à l'inauguration de l'exposition James Bond au château de la Buzine à Marseille. Le président du club, Luc Leclèche, a voulu lui rendre hommage dans cette vidéo. A tout de suite. Ben voilà les amis, je voulais un peu prendre la parole ce soir puisque Rémi Julienne nous a quitté aujourd'hui. C'est bien sûr une très grande tristesse, c'est bien sûr terrible et on adresse toutes nos condoléances à sa famille, à ses fils, à sa fille, à son ami, à sa femme. C'est quelque chose bon qu'on attendait depuis on était au courant depuis quelques jours, quelques semaines que ça allait pas bien du tout. Et bon bah voilà, ce qui est arrivé et donc voilà. Moi je voulais revenir un petit peu sur Rémi que je connais depuis très très longtemps, depuis 1986 et c'est surtout pour le remercier
de tout ce qu'il a fait pour nous, de venir à toutes nos réunions, à nos conventions, à nos déplacements, que ce soit à Paris, à Marseille, à Annette, en Italie. Je me suis retrouvé une fois en Italie grâce au club suisse et au club allemand. Et donc voilà, c'est quelqu'un qui était très proche de nous, qui comptait pas son temps, qui aimait passer du temps avec les fans de James Bond et de cinéma en général. Et donc je crois que c'est important. Ben, on a tous une petite place pour Rémi dans notre cœur, ça c'est évident. Et puis surtout pour le remercier de tout ce qu'il a fait pour le cinéma. Alors cinéma mondial, je vais dire, cinéma français bien évidemment, mais européen et américain également, parce qu'avec 1400 films et des cascades époustouflantes et donner aussi la réplique à des grands comédiens comme Jean-Paul Belmondo ou Lino Ventura et j'en oublie très certainement. Bon voilà, c'était un monsieur de cinéma, c'était un monsieur qui comptait pas son temps, qui sur la fin adorait passer du temps avec nous, et puis on savait le recevoir et puis on aimait quand il était là et écouter ses histoires et il aimait les raconter surtout. Ça c'était chouette. Mais bon voilà, c'est vraiment dans tous ces départs qu'on a eu ces dernières semaines, ces derniers mois, c'est vraiment au-delà de son rapport à James Bond, au cinéma, etc. C'était aussi quelqu'un de très humain, de très très à l'écoute des gens et très très proche de nous. Ils sont quelques-uns comme ça. Je pense à des gens comme John Glenn, les Bond Girls de Moonraker, etc. qui aiment bien la famille James Bond, la famille du club. Ben Rémy fait partie de cette famille. Ça va pas s'arrêter comme ça. On va l'honorer. On va souvent penser à lui. On va souvent parler de lui dans un Le Bond prochain du mois de septembre. On fera un énorme feuillet sur sa carrière et sur tout ce qu'il a fait au cinéma et pour James Bond bien évidemment. Mais voilà, bon, on va faire vivre son image. Comme je dis souvent, c'est nous les gardiens du temple, c'est à nous de faire vivre l'image de tous ces gens qui nous quittent. Et Rémy, bien sûr, il a une place à part. Il a une place à part et on le remerciera jamais assez, d'avoir été si proche de nous et d'avoir été un véritable ami. Et puis, pour conclure, j'ai un petit cadeau pour toi, Rémy. Si tu nous écoutes et tu nous vois et avec tous tes copains là-haut, sûrement. Et j'ai un petit truc qui va te faire plaisir et je pense que ça te touchera beaucoup. Donc, bon voyage, Rémy. Prends soin de toi, fais attention à toi et surtout, t'inquiète pas, on n'est pas prêt de t'oublier. À bientôt, mon pote. Merci Luc Leclèche. L'équipe de Planète 007 a voulu aussi rendre hommage en vidéo à Rémy Julien. On s'attendait à la nouvelle et malheureusement, ça y est, Rémy Julien est décédé. C'est une grande perte pour le monde du cinéma, que ce soit à l'international ou ne serait-ce qu'en France. Rémy Julien avait vraiment une œuvre immense. Moi, ce que m'évoque Rémy Julien, c'est avant tout les films que je regardais quand j'étais tout petit. Les Louis de Funès, par exemple, ou aussi les Belmondo. Pour citer quelques de Funès, il y a Fantomas, il y a 4 épisodes sur 6 de Le Gendarme se marie, Le Gendarme en malade. On a aussi L'aile ou la cuisse, où il y a une énorme course-poursuite où Coluche conduit un poids lourd. Et les mouvements sont, on va dire, dignes d'un James Bond de Dangereusement Vôtre quand on voit Roger Moore avec son camion de pompier. On peut aussi penser à toutes les cascades dans Le Gendarme par rapport à la bonne sœur qui conduit sa fameuse de chevaux. Tous ces souvenirs m'évoquent Rémy Julien. Donc on parlait de Belmondo aussi avec Le Professionnel, Peur sur la ville ou encore Le Cerveau. Il y a aussi Inspecteur de la Bavure avec Coluche cité précédemment. Et bien entendu, les 6 James Bond, de Rien que pour vos yeux jusqu'à GoldenEye. Donc, une œuvre incroyable. On peut aussi citer les taxis, l'opus 1 et 2, où mine de rien, il y a des cascades assez incroyables, encore une fois. Donc c'est vraiment une grande perte.
C'est assez terrible et j'ai une pensée pour ses proches, pour sa famille, parce que c'était un très grand monsieur. Voilà. Merci monsieur pour toute votre œuvre. Salut à tous. Bon, bah, une petite réaction au décès de Rémi Julienne, même si c'était un peu, je vais pas dire attendu, on espérait qu'il s'en sorte, mais bon, Covid-19, coma artificiel, 90 ans, je m'attendais un peu à cette issue. On peut dire qu'il a eu une belle et longue vie, avec une carrière tout à fait hors du commun. Et que quelque part il fait partie aussi de ma jeunesse, vu sa participation au James Bond et au de Funès aussi, hein, entre autres, que j'ai pu voir X fois, donc même si c'était pas forcément le visage de Rémi Julienne qui apparaissait à l'écran, ou du moins c'était pas censé être lui, même si on l'apercevait, eh ben il était souvent dans mon salon, Rémi Julienne, pendant ma jeunesse, hein, donc c'est un peu encore une fois de ma jeunesse qui disparaît. Donc chapeau l'artiste, et quel incroyable et singulier talent que celui de ses cascades et de ses courses-poursuites. On perd un grand artisan. Bye bye monsieur Rémi Julienne, que j'avais eu la chance de croiser au château de la Buzine il y a quelques mois, pour la seule et unique fois de ma vie. Bonjour à toutes et tous. Une vidéo hommage aujourd'hui pour Rémi Julienne qui nous a quittés. J'avais pas la chance de le connaître, mais à ce que tous les gens disent, c'était un homme formidable, toujours disponible. Il nous aura fait rêver dans beaucoup de films, dans 6 Bonds, presque autant que Sean Connery et Roger Moore. Il aura aussi participé à des grands films. Alors moi, l'enfant, connaît bien toute la saga des gendarmes, donc du coup c'est quelque chose que je trouve un peu le parallèle. Donc voilà, juste un petit message pour sa famille, pour toute la communauté, et dire qu'aujourd'hui la communauté est en deuil, voilà, une fois de plus, et voilà, reposez en paix Rémi Julienne. J'avais eu l'occasion de rencontrer Rémi Julienne furtivement il y a quelques mois, et je dois dire que les nouvelles que nous avions ces derniers jours n'étaient pas spécialement positives. Alors oui, Rémi Julienne nous a quittés, mais au-delà de ça, c'est tout simplement un monument de la saga bondienne qui nous quitte, mais aussi, tout simplement, un monument du cinéma français. Je ne vais pas revenir sur sa carrière, parce que je pense que d'autres personnes avant moi l'ont faite. Il a travaillé avec les plus grands acteurs, les plus grands réalisateurs, Jean Gabin, Lino Ventura, Alain Delon, Jean-Paul Belmondo, Louis de Funès, mais aussi Georges Lautner, Claude Pinoteau, Claude Lelouch, la liste est tellement longue. Je voudrais simplement revenir sur son apport à la saga bondienne. Au même titre que des gens comme John Glenn, comme Arthur Wooster, comme Alec Miles, je pense qu'il a été responsable du renouveau graphique de la saga dans les années 80. Et grâce à lui, la saga a obtenu un aspect graphique, un charme et un cachet absolument indémodables. On pourra citer naturellement son apport à Rien que pour vos yeux et la célèbre poursuite entre la 2 chevaux et les Peugeot 504, mais surtout il convient d'évoquer la poursuite en camion-citerne de permis de tuer, qui techniquement est absolument remarquable. Alors oui, Rémi Julienne, c'était un style de cascade reconnaissable entre mille, et même je me suis fait la réflexion de faire la comparaison entre une séquence de Jamais plus jamais, dont il ne fut pas responsable, et celle de Condorman 2 ans plus tôt, et j'ai été surpris de savoir comme son style pouvait être copié, mais jamais égalé. Alors que restera-t-il de Rémi Julienne dans quelques années, si le cinéma existe encore? Comme je l'ai dit, tout simplement un style unique et reconnaissable entre nous. Rémi Julienne avait créé de nombreux liens d'amitié avec les fans de James Bond. Jesse Conja et Eric Sossin l'avaient rencontré au mois d'octobre pour un interview qui n'avait pas encore été diffusé. Nous vous proposons de vous montrer les dernières images et d'entendre la voix de Rémi Julienne. A tout de suite. La disparition de Rémi Julienne, c'est tout un symbole, étant donné que sans lui, moi, je ne serais jamais devenu fan de James Bond. Étant donné que moi, à la base, j'étais juste un passionné de bagnole quand j'étais petit, et c'est grâce à ces scènes de course-poursuite extraordinaires que le virus James Bond m'a pris. Et on peut dire clairement que c'est grâce à lui, ouais, que je suis devenu fan. Et donc aujourd'hui, sa disparition, c'est lourd de sens, d'autant plus que j'ai eu l'occasion de le rencontrer une demi-douzaine de fois. La première fois, c'était à l'exposition James Bond en 2016, et la dernière fois, c'était il y a 3 mois, où il nous avait donné, avec Eric Saussigne, une interview exclusive. Il nous avait invité chez lui, on avait eu l'occasion de manger ensemble. On avait aussi... Il avait dédicacé Ma Renault 11,
Donc aujourd'hui, c'est ces souvenirs qui restent. Et il y a 3 mois, on ne se doutait pas qu'on n'aurait pas l'occasion de se revoir. C'était devenu quelque chose de tellement banal, mais tellement excellent, étant donné que quand vous lanciez Rémi sur un sujet de discussion, vous en aviez pour toute la soirée. Il était inarrêtable. Donc voilà. Donc on a voulu aussi, à la fin de cette vidéo, vous allez pouvoir découvrir un extrait de ce qu'il a pu nous dire donc, il y a 3 mois. C'est une de ses dernières interviews. On est assez fiers de pouvoir vous le montrer. C'était un homme qui aimait partager, on le ressent toujours. Et quoi qu'il arrive, il continuera toujours de nous faire rêver avec ses cascades. Comme Renault nous filait un coup de main, et c'était la voiture qui se prêtait à la circonstance, donc c'est pour ça qu'on a utilisé la Renault. Le plus drôle dans cette histoire-là est que la voiture se met, rentre dans la circulation des quais de Seine pour pouvoir, pour pouvoir faire une rencontre avec les voitures qui viennent en sens inverse. Et c'est comme ça que c'est arrivé quand même une espèce de surprise. Hein. C'est-à-dire que la voiture qui descend en marche arrière d'abord, et cette voiture en marche arrière censée être pilotée par Roger Moore, et là, passe, casse une barrière, et la barrière est défoncée. Et puis, alors ça fait l'un des éléments clés avec, parce qu'il y a une barrière, et la barrière est défoncée là. Et alors c'était l'un des éléments spectaculaires là, c'est-à-dire saute, rebondit sur le toit du bus, puis après rebondit encore pour la suite. Et la suite, eh bien, se trouve que on n'avait pas prévu quand même une chose pareille puisse arriver. Et donc la barrière scalpe la voiture, et en scalpant la voiture, évidemment, il n'y avait plus de pare-brise. Et comme il n'y avait pas de pare-brise, il y avait des essuie-glaces qui se sont mis en route, et les essuie-glaces ont balayé, mais comme il n'y avait plus de pare-brise, alors là, la surprise était que c'est les essuie-glaces qui faisaient leur boulot et qui, tout d'un coup, empêchaient de se protéger. Et alors là, les essuie-glaces frottaient véritablement, sur rien du tout. Il n'y avait rien pour arrêter. Et là, alors, comme c'était moi qui pilotais la voiture, et là, c'était la surprise était que ça me passait sur les nœuds de doigts, avec les doigts qui saignaient. Et là, il fallait véritablement, comme il fallait se baisser au moment où la voiture passait, et alors là, avec les doigts qui pissaient le sang, et donc il fallait, pendant un moment, il fallait se baisser, évidemment, pour ne pas se faire écharper par la barrière. Et alors là, il fallait avoir mémorisé avant de s'emmancher dans la file de voitures qui arrivait à s'en servir. Et puis la productrice Barbara Broccoli, elle, quand elle a su que c'était moi qui conduisais la voiture, alors là, elle a poussé la grosse gueulante en disant, et ça a été là, surtout à partir du moment où c'est moi qui dirigeais l'opération, alors là, pas le droit de m'exposer. Alors, pas le droit de m'exposer. Et j'ai dit là, il faut véritablement, bon, je ne peux pas tout faire, je ne sais pas tout faire, mais là, c'est vachement dangereux, parce que s'il arrive quelque chose, un pépin, alors que moi, je suis le patron de l'opération, là, ça la fout mal. Et Madame Broccoli n'était pas contente du tout.
Alors voilà, c'était l'un des incidents de parcours. Et pour rigoler un peu quand même, il y avait une vitrine, si tu veux, avec un truc qui était le restaurant chez Paul. Alors chez Paul, Paul c'était le prénom de mon père. Alors voilà, mais ça n'avait pas du tout amusé Madame Brocoli. Tes rapports avec lui? Oh ben, exceptionnel, véritablement exceptionnel. D'abord, c'était un monsieur qui avait beaucoup d'humour, mais à tel point, aucune prétention, aucun truc qui risquait de coincer. Hein. Et il me dit un jour, Roger, le matin, il dit, tiens, il y a Jeffrey, c'était son fils, il avait 16 ans à l'époque, il dit, tiens, papa, hier, j'ai vu un James Bond à la télévision, avec le vrai James Bond. Ah ben oui, à San Francisco. C'est pareil, je doublais en fait avec Roger Moore, et tout d'un coup, on tournait de nuit, hein. On tournait, c'est-à-dire à 6h du soir jusqu'à 6h du matin, et pour ne pas gêner la circulation, etc., etc. Et tout d'un coup, et sur le coup de minuit, attention, alerte, danger, tout le monde, couchez-vous sous les voitures. On me demandait qu'est-ce que ça voulait dire que ça. Et donc, c'était un Américain, comme on trouve des fous, un peu des malades, des cinglés, sur un truc. Il disait, bon, moi, de toute façon, maintenant, moi, je vais vous montrer, personne n'a jamais pu l'avoir. N'a jamais pu avoir James Bond. Moi, je vais vous faire voir comment on peut l'avoir. Et c'est donc armé comme un croiseur de bataille, là, pistolet mitrailleur, etc., etc. Et alors là, moi, je vais vous faire voir comment on fait pour l'avoir. Alors, le mec armé, hein, etc. Et alors, ils ont mis quand même 2 heures avant de le capturer. Et puis, ils ont réussi quand même à l'avoir, quoi. Mais c'était assez drôle. Et là, et comme il fallait l'avoir, et il fallait doubler James Bond dans ce coup de temps-là, et c'était moi qui étais au pilotage de la remorque. Là. Et alors, et puis comme c'était, attention, ils veulent abattre James Bond. Donc tout le monde aux abris. Alors c'était assez drôle, parce que c'était quand même la grande trouille. Hein. Et c'était parce que l'autre armé comme il était, alors là ça faisait froid dans le dos, et c'était moi qui le doublais à ce moment-là. Et c'était un peu... Perdu 2 heures de tournage, tout le monde était aux abris. Ah oui, ça a duré quand même, oui, ça a duré pas loin de 2 heures. Ah, c'était... Alors tout ça, c'était drôle en même temps. Et comme c'était drôle en même temps, c'était pas drôle, parce que le mec il était quand même armé, et c'était pas des balles en chewing-gum qu'il y avait dans le pistolet mitrailleur. Alors c'était drôle tout ça en même temps. Alors c'était il y a une grosse bosse de rigolade. Et jusqu'au moment où quand même le Lascar a pu être capturé quand même. Il s'était réfugié dans un étage d'un immeuble. Et donc, alors ils ont réussi quand même avec les forces américaines. Alors, tout ça, c'était drôle à chaque fois. Alors on rigolait après. Mais quand même, on passait avec des moments très très chauds. Merci de nous avoir suivis pour cette émission spéciale hommage à Rémi Julienne. Nous nous retrouvons d'ici 15 jours pour un nouveau numéro de Live and Let Live.
en direct et nous avons une forte pensée pour la famille de Rémi Julienne ainsi que son épouse. À bientôt. Bon Rémi, je vais pas te mentir, j'ai beaucoup aimé tes cascades. La dernière, je t'avoue, je l'aime pas du tout. Voilà. T'es parti hier, tu t'es battu comme un roc, ce que t'as fait tout au long de ta vie, personnelle comme professionnelle. Et comme dirait notre ami commun Joël Villy, tu t'es cassé beaucoup de trucs dans ta vie, mais hier c'est nos cœurs que t'as cassé. Voilà. Tu vas me manquer, mon pote. Rémi Julienne, c'est une amitié de près de 30 ans. Je vais pas vous parler du cascadeur parce que vous connaissez la qualité professionnelle de cet homme, mais je vais vous parler du bonhomme. Je l'ai rencontré en 91 au Festival de Cannes. Je bossais à la télévision du festival et Rémi était invité d'une des émissions. Le club James Bond, le premier club James Bond créé avec Jérôme Nico, François Justament et les autres, n'avait que quelques années d'existence en 91, hein, il avait 2 ans. Et donc je me suis présenté à Rémi en lui disant que j'étais un grand fan de James Bond. Et tout de suite il m'a accueilli chaleureusement, on a commencé à dialoguer, changer nos coordonnées. Et dès l'année suivante, le club James Bond de l'époque a créé sa première manifestation, les premières rencontres bondiennes à Mourou dans le 77, et Rémi était l'invité d'honneur. Il avait gentiment accepté, alors qu'on s'était rencontré que 1 ou 2 fois entre temps, et il avait passé la journée, la soirée avec nous. Voilà, c'est vous dire l'élégance de cœur, la générosité de l'homme que Rémi était. C'était quelqu'un de fidèle en amitié, Luc aussi pourra vous le dire. À chaque fois qu'on a sollicité Rémi, moi de mon côté, Luc du sien, pour le club, pour des choses en commun ou pas, Rémi a toujours été présent. C'est un type droit, fidèle. Et de là où il est, ben, je ne sais pas s'il nous voit ou s'il nous entend, mais je pense qu'il sait qu'on l'aimait beaucoup, qu'on l'aimera toujours, qu'il sera toujours dans notre cœur. Voilà. Salut mon ami.